Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Project Zomboid. On continue notre petite aventure aux Twiggies et on est toujours à 4. Salut tout le monde. Salut. Salut. Et on commençait à se préparer à partir chercher des bouquins. Ouais. Alors je vais manger un morceau juste avant, une petite salade là. Et puis... Tu veux faire ça avec moi le signe? Qui c'est qui a mangé toutes mes salades? Moi j'ai... il en restait une, je l'ai bouffée. Hein. Ah, putain la vache. J'ai toujours pas mangé en fait. Mais qui c'est qui a bouffé? J'en avais fait 4 là, vous abusez. Qui c'est qui a... On fait que ça à manger en fait en vrai. Et où sont les bols hein? Bon bah je vais préparer en speed quelques salades alors. Alors il faut un peu de viande, voilà, les tranches de jambon sera très bien. Des ratis. Ouais ça bosse dur ici. Bah en attendant je vais mettre le dernier pan de mur de ce côté là pour qu'il puisse continuer la muraille. Normalement ici j'ai marqué le coin, je sais pas si tu le vois. Voilà, ça sera parfait ça. Est-ce que je te fais une salade aussi, Cutox? Oui, parce que je commence à avoir très faim donc... Et quand vous avez fini de manger vos salades, n'oubliez pas de ranger les bols. Hein. On les met ça aux autres? Tu dis ça pour les autres, hein, j'espère pas pour moi, hein, parce que moi... Ah bah non, mais je sais pas, après qu'il n'a pas rangé ses bols, mais... Bah, tu poses la question. Moi je suis aux chips. Ouais. Bah attends, c'est pas possible, j'avais fait 4 salades, il y a bien des gens qui les ont bouffées. Ah ouais, moi mon bol est reparti directement. Je l'ai même passé avant, je l'ai rempli d'eau et je l'ai vidé pour le nettoyer. Il est mignon. Il est tellement mignon. Ouais ouais. Eh tu sais quoi, même zombie on va te garder. C'est gentil. Putain, pourquoi j'ai une alarme qui sonne, sérieux, ma montre. Alarme off. Toujours regarder ça, toujours. C'est la première fois que je trouve une montre alors. Bah voilà. Voilà, maintenant tu le sais. Il n'y en a plus de mayonnaise, c'est triste. Oh mon Dieu, on avait de mayonnaise. T'as passé toute la mayonnaise? Bah écoute, il me propose pas d'en ajouter, donc je pense qu'il y en a plus. Il y a du ketchup si tu veux dans le meuble sous l'évier. Slan vient dire si c'est bon qu'on fasse le coin par ici. Par contre, elle devait pas être très light du coup t'as. Bah si. Le coin? Ah bah non, mais moi y a pas de problème. Vous faites. Ah ça y est, mayonnaise. Ça on a un avis d'expert. Non, vous, non, si vous on avez... se trompe, on non, bien, faut pas être trop loin non plus, hein, parce qu'on va aller jusqu'à l'armurerie, donc... Ok, parfait. Donc je te là, mets, un... je te mets une salade ouais. Au frigo, si tu veux. Catox. Cool, bah... Donc là, ça y est, j'ai un mur à faire, je le tourne, hein, on est sûr. Ouais, hein. C'est ça, ouais. C'est Slan qui l'a dit. Ouais, comme t'as raison, il se débrouille après si c'était pas ça. Catox, Amned. Ouais. Là, mon atelier, j'ai fait le coin de façon à ce que vous puissiez repartir avec la palissade ensuite. Ouais, c'est-à-dire que là, ok. Donc là, voilà. À partir de là, on fera hop une palissade comme ça. Voilà. Comme par contre, n'oubliez pas que les murs que je mets, tant qu'il n'y a pas des planches dessus, en fait, on peut passer à travers. Hein. Ah ouais, d'accord. C'est pas un vrai mur, quoi. Bah c'est un cadre de mur, ensuite faut que je vienne mettre des planches niveau 1, 2, 3, et puis après je les transforme en truc en métal, etc. Quoi. C'est de la merde quoi. Là c'est de la merde, ils sont pas solides. Bah du coup, si tu veux qu'on aille se faire une XP... Si t'as plein de planches, Slan. Hein, Slan. Ouais, je veux bien qu'on aille chercher les livres qui manquent. Tu les as tous notés? Je vais bien venir avec vous. Hein. Menuiserie, électricité, métal et cuisine, si quelqu'un a besoin de plus. Bah si tu veux y aller, Damned au pire... Enfin quoi peu importe, que nous, moi j'ai rien à faire peu. Alors... moi je veux bien y aller mais... Bah si, je viens d'en faire 5-6 là. Ok. Ah, les murs là, on a presque déjà utilisé toutes les bûches. Bah disons que c'est que moi, monter des points menuiserie et autres, c'est pas trop mon truc. Donc après, moi je veux bien, mais c'est des points moins oui, pour c'est vous. C'est vrai que hein. Tu peux plutôt conduire toi. Bah et... disons que ouais. Et pas, je rappelle qu'il est chanceux oui. Et qu'il va trouver plus de livres que nous. Oui en plus. Ah bah et je rappelle qu'à l'inverse, ceux qui sont malchanceux vont trouver moins de livres. Viens avec nous alors, c'est parti. Ouais je vais. Bah oui. Ah c'est peut-être pour ça que quand j'ai été dans la librairie elle était vide. Par contre sinon la hache cassée bureau... ça fait double hein. Ah bah sinon la... vous avez un bureau de poste. Et dans le bureau de poste il y a aussi plein de bouquins à l'arrière. Ah bah on va y aller. Est-ce qu'on a de la colle à bois? Tu vas à pied Slan? Bah on va chercher des livres, c'est peut-être pas la peine qu'on... Ah, si pas, on prend une bagnole? Non mais j'en sais rien, bah, je te suis, hein, vas-y. Bah Damned, on t'attend? On est sur la route devant. Ouais bon, il va nous amener. Ok, attendez, je répare ma hache. Ah l'autre le pro. J'affûte ma hache. On j'affûte va en ville, ma hache avant ma hache.
On va dans une librairie, j'affûte ma hache. Moi je lis pas, moi c'est... je les découpe. J'affûte ma hache, non, une librairie d'Amned. Librairie. Bah quoi, à la base le livre c'est du bois. Non, une librairie. Ah bon, d'accord, je prends 2-3 couteaux en plus. C'est ouais, librairie. Oh, shotgun. J'ai trouvé des antidépresseurs. Il en faudra. Bah je vais en prendre là, un petit peu là. Donc je prends mon véhicule et je viens... Bah par contre je vais pas prendre le mien parce qu'on a que deux places dedans, mais je prends un véhicule et je viens vous rejoindre là-bas, c'est ça? Ouais, ouais. Bah on est sur la route, on t'attend. On est juste devant le Twiggies là, de l'autre côté de la barricade. On fait les cadavres pour voir s'il y a des trucs intéressants dessus. Oh putain, sans déconner, mon mec il a soif maintenant quoi. Ah putain, moi aussi, tiens, je vais boire vite fait. Non mais ouais, on va faire des maisons, on va faire des maisons, il y aura de quoi on boire. On s'en fout, mais oui, on s'en fout. C'est vrai. Par contre ton truc, Slan, ton meuble là, il est un peu chiant en fait. Parce que par contre... Le meuble en métal... D'abord, je vous rappelle que les voitures doivent aller dehors maintenant et que le meuble en métal, il est dans le coin, il est dans l'atelier. Ouais, alors moi je veux bien que les voitures doivent aller dehors, mais par contre, ce qui serait bien dans ce cas-là, c'est de créer une nouvelle porte sur le côté pour le Twiggies, hein, pour décharger. Hein. Oui, et que tu vires ta carcasse de merde, la bleue. La bleue, bah je sais pas comment la virer en fait. Ah, ça va être chiant ça. Vous êtes où? J'arrive. Mais le problème, c'est que j'ai ouvert la bagnole, donc ça attire les zombies. Hein. Ouais, Kartok, tu vas gérer. Ou alors on coupe le moteur, on en tue quelques-uns, non? Ah non, on y voit. Ok, bah Kartok, bon courage. Hein. Bonne chance, Kartok. Tranquille, je m'en occupe. Ouais. Il y en a quelques-uns quand même. Hein. Non, il y en a deux, ouais, trois. Ouais, mais regarde, ils nous suivent, nous. Bah alors, on va où? Exactement. Bureau de poste. Tu me guides, hein? Ouais, gauche. Fallait le dire un peu plus tôt. Je vais tourner plus loin maintenant. D'accord, gauche. Oui, là je l'avais compris, merci. Très bien, gauche. Avance, tu sais. Ok, re-gauche. Ah, oh, évidemment, vous vous barrez. C'est quoi 3, ce cri là 2, 1, stop, on est devant. Ouais, il y avait un cri, ouais, comme c'était un humain qui se faisait. Attends, je vais avancer juste le temps qu'on se mette là. Et je vais couper le moteur surtout, hein, ouais. Sortez pas. Coupe le moteur. C'est bon. Si seulement cette modèle pouvait mourir plus silencieusement, ça m'arrangerait beaucoup. Ouais, c'était quoi cette espèce de cri horrible là? Ouais, ouais. C'est un événement, un méta-événement comme d'habitude. Mais c'est tu veux quoi. Dire, on peut vraiment trouver des gens ou... Non. Non, non, jamais. Ça arrive pas. Alors, c'est pas le bureau de poste. Le bureau de poste, il est juste à côté ici. Ah, ouais, mais là, il y a des scies, il y a des barres métalliques. Ah, bah, ça, c'est le plus bel endroit de la ville là où t'es. Okay. Une petite plaque en métal, tiens, ça peut toujours servir. Une herbaliste, je suppose qu'on l'a déjà, mais je vais le prendre. Ah, oh, un commis, je vais le lire. Et là, c'est un food market là, donc du coup, non. Ouais, alors c'est le bâtiment avant, hein. Ouais, bah je crois que j'ai pris le avant de l'autre côté en fait. Alors, cuisine intermédiaire, on l'a déjà. Oh, zombie! Ouais, si c'est quelqu'un, poste, là. Vous pouvez venir au bureau de poste. Ouais, bah, j'arrive. Je trouve pas le bureau de poste, moi. Et prendre les charnières et les poignées de porte. Alors, tiens, l'électricité pour les nuls, est-ce qu'il le faut? Non. L'agriculture. Il est où ce putain le bureau de poste là, sérieux? Bah, il est au-dessus, je crois. C'est le bâtiment. Non, c'est le bâtiment juste avant. Alors, ça, c'est un restaurant. Bah, celui où il y a un drapeau américain quand tu rentres? Non, juste après. Retourne à la voiture. Oui, c'est ça. C'est là, hop. C'était ça, c'était le bureau de poste. Putain, mais le véhicule, il y a plein de trucs dedans déjà. C'est parce que si tu cherchais l'icône jaune et noire, jaune et bleu là avec le petit oiseau. Donc là il y a plein de charnières et tout. Je vois rien du tout dans ce bâtiment, hein. Putain c'est le drame quoi. Électricité avancée, ah bah en voilà un. Alors on a besoin, la pêche pour les nuls, l'agriculture niveau intermédiaire. J'ai pas regardé pour la pêche, l'agriculture, tout ça. Bah prenez-les au pire, je l'ai... Ah non, on va être super chargé. Ah bah, menuiserie. Oui. Pour les nuls, pas besoin. Bah, les trucs pour les nuls, on sait qu'on les a de toute façon. Bah non, pas tous, hein, il nous manque le métal. Travail du métal, volume 3. Je prends. Des bêta bloquants, je prends. Recherche, pêche, électronique. La cuisine intermédiaire, on a. La cuisine intermédiaire. Ouais, on a. Ouais, il nous faut expert avancé, maître. Ah, j'ai trouvé le travail des métaux pour les nuls. Hop. Alors, j'ai pas trop calculé où vous étiez, mais c'est pas grave, je vais chercher par là. Attends, je te montre. T'es où? T'es dehors là? Attends, je reviens à la voiture, parce que là, il y a un endroit où il y a des charnières et tout, alors je voulais les prendre. Ouais, super. Charnières et poignées de porte. Attends, hein. Ouais, je suis à la voiture.
Il y a un marteau par terre. Il y a 4 marteaux par terre. Ouais, non, mais on n'en veut plus des marteaux. Non, c'est mécanique, j'ai pas noté. Je suis couillon. Moi, putain, mais j'ai des one-shot de plus en plus, hein. Bah, ouais. La hache en même temps ça pique, hein. Bon, par contre, je t'attends la voiture, donc je sais pas si je dois t'attendre ou. J'arrive, je suis en train de ramasser les 2 charnières de porte et je suis à toi. Ça y est, je suis là. J'étais parti trop haut, je pense. Parce que moi, quand il est. C'est bon. Le mec, il est en flip. Hein. Ah putain, mais je te vois pas, moi, t'es derrière moi. Tiens, c'est. Électricité avancée. J'ai déjà. Ah oui, bah c'était juste là en fait. Alors, je vais fermer la porte pour histoire de ralentir si jamais il y a des zombies qui ont envie de venir. Ouais, alors bon, par contre, je sais pas, vous avez déjà fouillé ou pas, donc potentiellement. Ah bah, je sais pas non plus où il a déjà fouillé. Hein, bah, moi, j'ai tout fait là, quasiment. Mais ça vous empêche, je prends pas tout, donc faut y aller, hein. Ouais, y'en a du bordel, putain. Et du coup, le jet de chance, il est fait à quel moment? Au moment où tu ouvres l'étagère. C'est-à-dire que si j'ai tout ouvert, tu peux y aller, tu peux fouiller. Bah, moi, le problème, c'est que je sais pas ce qui manque, donc. Mécanique intermédiaire, vous l'avez? Le quoi, le? Mécanique intermédiaire, oui, vous l'avez? En mécanique, oui, j'ai intermédiaire et. J'ai oublié de noter ce qu'il fallait, mais j'ai l'intermédiaire et nul. J'ai pris l'avancée, là. Ah, bah, super. Pêche pour les nuls. La cuisine intermédiaire, vous l'avez? Ouais, alors, la cuisine intermédiaire, ouais. Pour les nuls aussi. On va faire la zone pavillonnaire au sud? D'accord. Mais alors, ça veut dire qu'à partir du moment où quelqu'un a fouillé dedans, si l'autre fouille dedans, même s'il a chance, ça changera rien. Voilà, t'as tout compris. Ouais, donc c'est à moi de le faire en fait. Voilà, c'est à toi d'ouvrir les bibliothèques. Okay. Mais dans les bibliothèques, il n'y a pas des objets rares non plus, donc. Non, mais peut-être plus de chances de choper des bouquins. Ouais, il y a plus de bouquins quand tu ouvres. Ouais. Alors attends, dis-moi où c'est. T'es où par rapport au véhicule là maintenant? T'es parti. Bah, je suis dans le véhicule moi. Est-ce qu'il y a des chiottes dans le. Dans... Ah. Non, il n'y a pas de chiottes à la poste histoire de boire un coup. Non. Ah bon, moi je vais aller en face. Toujours des chiottes généralement, j'y pense. Ouais, mais non, si on va dans des maisons. C'est quoi ça, il y a un zombie qui s'approche de la voiture. J'arrive. Moi, je voulais boire là-dedans, mais pareil. Mais... On va dans des maisons donc. Allez, c'est bon, allez, go. Ne vous mettez pas sur le siège arrière gauche, il y a des trucs dessus. Hein. Trop tard. Quelqu'un peut se pousser parce que le zombie il arrive. Slan par exemple? Non, je pouvais pas me pousser parce que je m'étais mis sur le siège arrière gauche la dernière fois. Donc ça a tout déplacé sur le siège arrière droit. Alors à droite. T'as. J'ai gagné de la précision, parfait. À droite. À gauche. Là tout de suite. Bah non, c'est à gauche de l'autre côté. Ah non, tu m'as demandé de te prévenir d'avant. Ah, il y a une clé là. Je descends. Non, le signe. Bon, merde. Oh, putain. C'est bon, je me suis relevé vite. C'est bon, cela, t'inquiète. J'ai oublié de couper le. Ouais, il va falloir que ce soit un réflexe, quoi. C'est une clé de Dash Elite. Ah, c'est la noire. Non, elle est fermée. Non, ça doit être la bleue. C'est la bleue. Il va toutes les faire. Non, alors c'est la blanche. Non, c'est la rouge. Et visiblement, c'est la blanche. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ce que tu disais. Mais plus, pas de carburant. Je laisse la clé dans la boîte à gants. Ouais. Et il faut vraiment qu'on mette des jerrycans vides. Ouais, ouais. Ou des jerrycans pleins aussi. Bah, ça prend plus de place. Non, mais parce que je me suis encore mis sur le mauvais siège. Non, mais il faut que t'arrêtes d'entasser des trucs sur ton siège arrière là. Arrière gauche? Non, vous passez toujours par la droite alors. Ouais, mais on clique vite fait, on choisit. Et c'est pour toi, c'est des plaques en métal et tout, du fil. C'est pour réparer, ouais, c'est super. Ah putain, j'arrive pas à rentrer, voilà. C'est bon, je suis là. Allez. J'ai on posé la clé par terre, comme ça on verra qu'il y a une voiture là éventuellement. Donc ça c'est une zone pavillonnaire. Top, 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 top. Attends, je me gare quand même bien propre. Attention, on va courir de maison en maison. Hein. Eh bah oui, mais au moins on sait où aller. C'est bon. Pas la peine de faire les mêmes maisons parce que il y a juste une bibliothèque à checker. On vient pour chercher des livres. Ouais, mais moi je vais boire aussi. Il y a une seule bibliothèque par maison, jamais plus. Si, il y en a d'autres. Y'a pas d'autres maisons? Ah si, y'en a plein, c'est une zone pavillonnaire. Ah oui, là y'a une boîte aux lettres là. Alors vous, si vous avez envie, vous pouvez aussi checker les armoires pour voir si on trouve des grands sacs de randonnée. Tout ce qui est sac poubelle, c'est pratique aussi si on veut refaire encore plus de collecteurs d'eau. Électricité pour les lules. Non. Ok. Je vais aller boire. C'est pas des trucs ça. Bah, de toute façon, vous cherchez éventuellement tout truc dont vous pouvez avoir besoin, vous. Hein. Des bols, ouais, par exemple. Ouais, bah, des bols, un four.
rien dans cette maison. Est-ce qu'on peut allumer la lumière? Ouais, bon, bof. Vite fait, quoi. Un sac à dos simple, on s'en fout. Hein. Alors, le piégeage... Le piégeage niveau maître, le travail des métaux pour les nuls et l'agriculture niveau expert. Travail des métaux pour les nuls et bah c'est le. Moi je regarde. Ouais, c'est... rien m'intéresse. Même pas le travail des métaux pour les nuls, hein, non. Non, voilà, parce que les autres, piégeage et recherche, tout ça, j'ai pas noté. Et laine automobile, modèle commerciaux, ça sert ou pas? Je l'ai déjà celui-là. Ok, très bien. Je préfère le dire, hein, ça peut être chiant, mais au moins. Non, mais les magazines de recherche, tu peux les prendre, ils pèsent pas lourd. Hein. Ouais. Du coup, moi je les note pas, je les prends. Alors, puis... La mécanique niveau avancé. Alors, mécanique avancée. De mémoire, y a pas un de vous qui m'a dit qu'il l'avait trouvé? Si, moi, mais je crois que tu m'as dit de pas le prendre parce que. Si, tu l'avais déjà. Prendre. Je l'ai déjà en fait, je l'ai déjà. Ah bah voilà, c'est bah, toi voilà, qui l'as. C'est ça l'histoire là. Des cigarettes, on en a besoin ou pas? Toujours. Ouais, bah oui. On en a un sacré paquet, mais bon. Ouais, non, mais c'est... les cigarettes, c'est hyper important, c'est la vie. Là, de fumer y a ma dernière d'ailleurs. Des vitamines, ça sert à rien au multi ça. Laissez les portes ouvertes des maisons, hein. Quand on les a fouillées? Bah ouais, parce que là je vois qu'il y a le signe qui vient ah, de. Ah, mais parce que je suis rentré par la fenêtre en fait. Ok. Bah sinon, moi ce que je fais des fois, c'est que je laisse un chiffon devant la maison pour dire que je l'ai fouillé. Mais, oh c'est, en mais c'est en solo parce que. Parce que en multi, bah ça repop quoi. Ça fait du bien d'avoir de la course, putain, de courir vite. Bah là, on est bloqué, je crois. Hein. Et on est au bout de la rue pavillonnaire. Hein. Je fais demi-tour. Ouais, mais ça continue. Ah bon? Bah, ils font comment les gens? Là, regarde, il y a d'autres maisons par là après. Ah, il y a un barbecue, il y a peut-être moyen d'avoir du propane là. Ouais, c'est lourd par contre. Regardez. Mais c'est vrai que ça vaudrait le coup. Ah, bah t'es là, Demned? Ah, c'est 20, putain. Ah, oui, bah tiens, attends, je t'ouvre, si tu veux. Non, bah non, t'es en train de la fouiller. Et est-ce qu'il est plein? Il est plein, réserve de propane plein. Excellent. Des bols! Ah, bah j'en ai pris plein des bols. Des bols, prenez des bols. Je suis paumé dans un champ, je crois. Ah non, là, il y a une porte ouverte, j'imagine que vous êtes dedans. En fait, il y a plein de trucs, ouais. Bah voilà, je suis là. Il y a plein de trucs, mais j'ai pas la place pour tout prendre, quoi. T'as ton sac, hein? La cuisine intermédiaire. Ouais, mais le sac il est bien plein avec les charnières et les planches et les poignées. Monsieur. Ah, t'as pris les planches aussi? Ah, bah ouais! T'as pas mis ça sur les planches. Ah, bah je les pose, hein! Bah, c'est à dire qu'on peut en faire à la maison, quoi. La recherche pour les nuls, la laine automobile, modèle sport, le travail du métal, volume 3. Alors, sport, oui, et volume 3, je sais pas si. Oui, tu prends aussi. C'est pour faire le grillage en métal, là. Alors, laine automobile, je prends. Agriculture, piège, Hunter Magazine. Allez, j'ai viré les planches. Comme ça, j'ai plus de place. Et je peux prendre la poignée. Alors, une radio. Si vous trouvez aussi des petits appareils électroniques qui sont pas très lourds, prenez-les, on pourra les démonter. Et progresser. Du sel. Putain, il est plein, mon sel. Ça marche. Du sucre, les gens, on a du sucre. Ouais, parce que j'en ai trouvé aussi. Avancé. Ouais, c'est le bouquin que je cherchais, moi. Encore un peu de bol. Putain, je suis trop lourd, quoi. Je crois que j'ai un sac. J'ai pas trouvé un sac. Sac de randonnée, voilà. Un petit genre d'objet secondaire. Si vous trouvez des vaporisateurs, c'est des très très bons objets, prenez-les aussi. Les cordes, bien entendu, mais vous en trouverez sans, probablement pas dans les maisons. Sauf gros coup de chance. Il y a encore des maisons quand on continue plus haut? Ah bah oui, t'y es toi, Slan, dans celle-là, j'imagine. Ouais. Bah moi, j'ouvre la porte d'entrée dès que j'arrive, voilà. Ah ouais, mais les portes d'entrée, elles sont pas toujours face à nous, donc... Tiens, tu veux le faire, le garage, Damned? Ouais, si tu veux. Bah je préfère que toi, tu couvres les trucs. Alors... Un talkie-walkie pourri, du charbon de bois, ouais, bof. Alors, si vous pouvez venir ici, cette maison est absolument très particulière puisqu'elle possède l'un des objets les plus rares du jeu. Corde! Du PQ? Il y a un poêle à bois devant moi. Ah oui! Tu veux essayer de le démonter? Bah, je vais voir ce qu'il faut pour le prendre. Il faut marteau. Marteau, il y en a un, je crois, là, ouais, là à gauche. Là, je vais prendre. Il y en avait même un à droite d'ailleurs. Ok, on va qu'il faut ici, il y a trop de monde. Alors je vais le porter, et ça c'est un des objets les plus rares parce que ça permet de chauffer les maisons en hiver. T'avais combien de chances de réussite? Il y a 100% de chances de réussite pour prendre ça, ouais. Pour ce qu'il faut. Je sais pas du tout où vous êtes, hein, donc... C'est comme le générateur.
La maison où tu m'as vu tout à l'heure, au-dessus. La maison. Ok. Tu dois être un peu lourd par contre, non? Ouais, ouais, bah. J'ai pris un deuxième sac moi dans ma. Tu veux aller chercher la voiture? Ça pèse 20, je vais pouvoir le mettre dans mon sac. Ça marche. On peut faire ça. Ouais, le mec il met un poil à bois dans son sac de randonnée, oh. Normal. Ouais, moi, et j'ai puis. Une bouteille de propane, donc... Bah, l'autre ouais. Objet qui serait sympa qu'on commence à trouver là, ça serait un générateur, et ça je sais où il y en a. Ah. Ouais, mais on va dans être les un maisons, peu en dash de place là, je pense. J'ai trouvé une jerrycan d'essence, mais vide par contre. S'il y a un truc pas loin, on peut le remplir pour la bagnole qu'on avait vue. Tu peux le remplir sur une autre bagnole, n'importe laquelle. Ah, on peut siphonner. Il n'y a pas besoin d'un objet spécial. Il faut qu'il y ait du carburant dans la voiture. Quoi. Ouais, il faut qu'il y ait du carburant dans la voiture. Est-ce que tu vas aller chercher la voiture et qu'on se retrouve ici? Je vous la ramène au parking. Allez. Pas à la parking au centre-ville. Directement. Attendez, prenez le jerrycan si jamais. Prenez le jerrycan si quelqu'un peut le prendre, le vide là. T'es où? Tiens, vas-y, donne. Je le prends. Tu vois où on est ici? Ouais, c'est bon, bah, je suis la route et puis je remonte, ouais, ok. On va aller dans un quartier un petit peu plus huppé. Ah, bah carrément. Et on va trouver un générateur dans un garage. Ouais. Est-ce que je peux remplir mon jerrycan? Faut que je le mette en main peut-être? Ouais. Attention, je te couvre pas pour l'instant. Là, je te couvre. Alors, mécanique du véhicule. Alors, je sais que ma position est à peu près la même que quand j'essaye de tuer, mais là, je t'assure que je te couvre. J'ai pas de menu pour le remplir, le jerrycan, donc. Y'a pas d'essence dans les bagnoles. Ouais. Ce qui est très fréquent. Mais y'a une station-service tout près, bon, on va l'attendre là. Attendez, faut déjà que je retrouve où est la bagnole, hein, parce que je sais plus quelle maison. C'est grand ce quartier de merde. Viens avec moi, le Seeing, cette boutique, elle est superbe. C'est bon, j'ai retrouvé. On est au Slurp Burp, c'est sur la. C'est dans la rue principale. Il y a un gros panneau Slurp Burp de 2 mètres de 10 mètres de haut. Et en face du Slurp Burp, c'est une station essence. Viens le Seeing, cette boutique, elle est juste magnifique. Ah oui, ça a l'air. Du charbon. Pour toi, radios. Et va dans le. Va voir les. Là-bas au bout. Bah tiens, il y a un truc qui gêne. Il y a de la levure. J'ai vu de la levure, il va pouvoir faire du pain. Elle était où? Farine, alors farine. Vous êtes où par rapport aux deux véhicules qui sont en plein milieu de la route? À droite. Ok. On est dans la boutique, voilà, dans le Slurp Burp. Slurp Burp, c'est bon, j'arrive. Moi je protège le Seeing parce que le Seeing, il est en train de trouver son bonheur ici. On voit ta voiture, on est dans le magasin. Ah ouais. Okay. Attention au Seeing. Ouais, j'ai vu. Bonjour. Alors putain, elle est où cette saloperie de farine là? Je l'ai vu. Bluff. T'en as trouvé des bonnes choses ici, hein. J'avais vu de la levure fugitivement, mais j'arrive pas à retrouver dans quel truc. Ah, la levure, je l'ai trouvée, moi. Alors, je vous rappelle que c'est aussi une boutique de vêtements. Donc, c'est l'occasion. Il va bien de vêtements, et notamment de vêtements propres. Bon, ça se lave, hein. Les vêtements, oui. Mais bon. Je viens de balancer tous mes livres par terre, moi. C'est un concept. Un peu complètement. Il y a un étage, je vais voir ce qu'il y a à l'étage. Oh, il y a des caisses. Pas mal de caisses même. Oui, il y a plein de caisses là-haut. Même avec mes deux sacs, je commence à porter trop lourd là. Moi, je suis surchargé complet depuis un moment là. Je suis en train de mourir. Est-ce qu'il te faut des padded jackets? Ouais, on va les prendre, hein, les padded jackets. Hein. Tiens, je vais te les prendre. Ouais, ça y est, je les ai pris. Ouais, il y a la clé de la boutique, je vais la prendre. Les portes ont un peu souffert, on va dire. Jupe. Ah, je vais me mettre en jupe. Ah, long short. Oh, il y a un miroir. Ça sert à quelque chose? À se regarder, je pense. A priori. Je sais pas, ça aurait pu être un truc, genre on réchauffe. Ou... Ah, mais il y a des étages et tout. Ah, il y a des lunettes. À l'étage, il y a plein de trucs, hein. Attends. Ah, t'aurais dû me laisser l'ouvrir. Ah, désolé. Ouais, quand t'es mal chanceux. Je pensais que t'avais déjà ouvert, excuse. Non, et pas encore, je n'ai rien. T'as un chanceux à côté et... Cuisine conviviale niveau 2, tu vois, mais je sais pas si tu l'as déjà... Oh putain, il y a plein de zombies. Ça. Besoin d'aide? Non. Plein, c'est 3. C'est vrai, j'oubliais le signe. Et je suis agoraphobe, moi, hein, donc...
Oui, mec, il a vu trois personnes. Oh mon dieu, attention, il y a une horde qui attaque par l'est. Okay, alors que moi, je suis affolé en permanence. Tout ce que je vois, c'est des ombres dans les maisons. Donc j'ouvre une porte, il y a vaguement des ombres. Je m'enfuis en hurlant. Hein. Bon, moi, je peux plus rien porter là. Je suis vraiment mourant de poids. Par contre, il y a de la farine dans une des caisses. Mais c'est un zombie, ça. Je vais la prendre, Marc. Ça va pas me tuer plus. Attends, allez, je suis là. C'est bon ? Oui, on est pas aux pièces. On peut la prendre. Hein. Je l'ai prise, la farine. T'es un peu toute nue aussi, il me semble. Bah, je voulais un pantalon. Ouais, on va peut-être rester 5 minutes avec toi à l'étage. Ah non, bah non, bah non. Attends, non. Je vais éteindre la lumière. Faites pas ça. Je vais mettre un drap à la fenêtre. Je vais verrouiller les portes. Ça va bien se passer. Du liquide de nettoyage, tiens. Mais alors, vite fait, hein, j'ai que 2 minutes. Bon, sinon, on peut retourner à la maison, déposer tout ce qu'on a, on reviendra plus. Bah, on n'a pas trouvé le livre qu'on veut, hein. Non. Ouais, mais on reviendra, c'est pas grave. Bah... Je vous dépose, la voiture, elle est pas pleine. Faut qu'on vit dans la voiture, puis on part. Je crois qu'elle est blindée, la bagnole. Hein. Le coffre, il est plein, parce que en fait, j'ai pris une bagnole qui n'avait pas été vidée. Donc, il y a des pneus dedans, il y a des pneus dedans, il y a un pneu dedans. Il y a un pneu. Je peux jeter le pneu, hein. Le siège, il a pris. Il y a derrière toi, Damnel, attention. Merci. Il y a un pneu dans cette bagnole. Alors, est-ce que soit je le jette, hein, le pneu, on s'en fout aussi. Hein. Non, c'est super important. Bon. Moi je dis, bon, on se barre, on va déposer, on revient. Oui, on n'est pas aux pièces, on va ranger. Allez, on exactement. Y va. Elle est où la bagnole ? Elle est de l'autre côté. T'as vidé le frigo ? Non. Est-ce que ça t'intéresse des frigos étagères comme ça ou le frigo noir ? Ah bah, nos frigos sont remplis, donc pourquoi pas. Hein. Après, j'ai pris rien comme bouffe là, hein. J'ai pris que du non périssable. Donc. Alors moi je vais me démonter, trop lourd, contient des objets. Lequel ouais, tu veux ? Laisse tomber, t'es déjà blindé de trucs. Ouais, les gens qui s'approchent bon, de la voiture, faut qu'on se tire. Je vais pas mourir, t'inquiète, je vais pas mourir, faudra que je me repose un peu après. Par contre, évidemment, vous avez laissé des choses dans le congélateur. J'ai mis du poulet par terre. Ah oui, par contre, congélateur, ouais. Ouais, c'est vrai. Moi j'ai rien pris comme bouffe. Hein. Alors il pèse 40 le truc, donc effectivement il est trop lourd pour moi, mais pas si je pose tous mes objets par terre. Ouais mais... On reviendra de toute façon. Ouais allez on se casse. Parce que là j'ai déjà le poêle à bois. Moi j'ai des bouteilles de propane qui pèsent 20 aussi, ça commence à piquer un peu. Ce serait bien que je me fasse un raccourci pour ouvrir et fermer l'inventaire, tiens. C'est parti. Avec genre tab, ce serait bien, tiens. Je vais faire ça, après. Pas quand tu conduis, ouais. Non, pas vraiment, non. Après, des frigos, on va en trouver partout. Hein. Mais celui-là, il était noir, il était beau. Ouais, c'est vrai qu'il était classe. Oh, le joli petite placette. Alors, je crois que j'ai pas tout noté. Alors, menuiserie, j'ai le avancé. Il manque... C'est exactement ce qu'il me faut, mais il faudra toujours expert et maître. Électronique, on a avancé, il montre expert. Au fait, Katox, ça fait un moment qu'on t'entend plus, t'as réussi à tuer les zombies de la zone ou... Il est mort. Le Twiggy est envahi depuis des plombs et... Oh bah on va voir si vous reconnaissez Twiggy comme moteur, vous revenez. Ouais, je coupe, ouais j'ai coupé. On va voir si vous reconnaissez Twiggy comme vous revenez. Ah dis donc, c'est beau. Voilà. Oh c'est mûr. Y'a que mon garage qui est pas encore l'air très costaud. Est-ce qu'elle est... Elle est où la caisse où faut se vider ? Bah y'en a toujours pas. Ok, bah je me vide tout en alors, bas. Alors si, c'est faux, y a une caisse... Ah non, y avait une caisse dehors, mais... Oh la caisse dehors, c'est un bordel aussi, oh putain. Alors, si ça vous intéresse, je tiens quand même à préciser que je mets au sol deux padded jackets propres. C'est en haut, hein, les vêtements, y a un endroit pour ça. Ah oui, cool, là. Je dis ça, je dis rien, hein, mais c'est pas grave, hein. De toute façon, je pense que ce sera mon combat jusqu'à la fin de ce let's play. Hein. Le vinaigre, blabla, liquide de nettoyage, je sais même pas si ça sert vraiment à quelque chose. Mais... Allez, maintenant. Alors, le poêle, là. Le four antique, je vais le mettre. La farine. Hop là, les bols. En fait, hop si là. Chacun range bien comme le signe est en train de faire, il n'y a pas besoin de se faire chier, c'est très bien. Hein. C'est parfait. Le four antique, je propose de le mettre là, mais dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on démontera un meuble ici. Faudrait démonter un meuble ou me dire où je mets le four antique. Il est très beau. Ouais, un four, je suis pas contre moi. Non, c'est un bois, mais le four antique, c'est pas pour faire c'est le poêle là, le fameux poêle. Ouais, c'est pour chauffer la pièce. Moi je propose de le mettre ici, mais dans ce cas-là, faudra démonter ce meuble là pour faire une porte. Bah, pour accéder à la réserve derrière. Tu peux le mettre à côté du fauteuil sinon. Il sera central comme ça. Enfin, je sais pas si ça a intérêt d'un point de vue. Non, il faut qu'il ait une sortie extérieure. Ah. Ah bah oui, bah du coup, faut que je le mette sur ce côté là. Je vais le mettre là à côté de l'étagère ici. Pas le choix.
J'ai des trucs, j'ai une radio Valutech là. J'avais pris pour démonter, mais. Ouais, ouais, c'est pour démonter. Ouais, je vais le mettre là, le four. Le réservoir de propane, il y a des endroits où on met, déjà... on met ça, Damned, ou pas? Avec les chalumeaux. Bah ouais, voilà, tu peux le mettre à la gauche, de la... tout à... en haut à gauche là. Éventuellement, effectivement. Dans les tas de voilà. caisses là. Ouais, non, à gauche là, là. S'il y a tous les outils ok, là, d'accord. Donc. Ok. Et hop là. Ça y est, on a des deux, un... des deux objets rares. Il ne manque plus que le générateur qui est pas si rare. Bon bah j'ai plus que des livres. Hop, on va charger les livres en haut. Ouais, on va aller se vider en haut. Ouais, faut... ou sur le sol, ça dépend. Non, non, bah ça va rentrer. Par contre, faudrait virer les livres de recettes. Bah. Non, ça va, il y a la place encore. Mais elle est toute petite cette caisse, faut mettre une vraie caisse. Bah oui, ouais, bah. On fait avec ce qu'on a, hein. Ouais, voilà. Hop, le petit palais de jaquette hein. dans la poubelle. Voilà. Je suis bien d'accord, mais. Et le jerrycan d'essence vide. Bah, je vais bas. Garder, je vais le garder sur moi. Hein, mais tu peux le garder sur toi. C'est bien l'électricité, aussi. Il en manque plus qu'un, c'est l'expert. Il y avait un coffre de voiture à vider aussi. Hein. Ouais, ah, putain, ouais. Putain, mais il y a des zombies sur le parking. Ah. Et la mécanique. Merde, c'est la merde ça. Ah, la mécanique, on a. Ils ont, contourné notre, ils ont contourné notre palissade. Bah ouais. Hein. Les putain, ils réfléchissent, c'est con. Je vire les livres qu'on a en double. Hein. Je comprends pas le concept. Des fois, j'arrive super bien à faire le truc spécial, le mouvement spécial, et des fois, absolument pas. C'est ta phobie. De toute façon, à partir du moment où t'as pas, t'as toujours une chance de rater en fait. Et quand t'es paniqué. Tu es bien urbain, Katox. Ah putain, mon couteau s'est cassé. Fais chier, j'ai plus rien. Oups. Je vais aller déposer ce que j'ai commencé à remplir. Il y a de la bouffe en plus, des citrons et tout. Moi je vais mettre des livres. Oh, il y a un zombie là. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai une hache moi? Oh bah j'ai un pied de biche. Oh, mais c'est à deux mains ça. Ah non, c'est à une main. Allez, on va prendre ça. Je suis parti jeter des livres dehors, hein, les ramassez pas. Pourquoi tu jettes les livres dehors? Je comprends rien. C'est des doubles. Poignée de porte, c'est pas dans le coin si c'est ça. Bon, alors les plaques de métal, c'est là aussi. Ouais, c'est ça, tout est là. J'ai des sacs poubelles, ça t'intéresse toujours, Katox? Oui. Faut te les mettre quelque part particulièrement ou tu les veux tout de suite? Alors, un pneu, je te le mets sur ton tas. La caisse extérieure, j'ai tapé toutes mes affaires dedans vu que je suis en train de faire les murs. Ouais, ouais, j'imagine. Ouais. Putain, j'ai failli comprendre ça. Se balade sur ce. Saloperie de. Giclure de sang, bon, je vais pas me battre au pied de biche, c'est pas possible. C'est trop sale. Non mais en plus j'ai commencé à monter le... Hop là. Ouais mais non mais t'es con, garde pas en favori un couteau cassé, sois pas débile. Ça va Katox? Hop là. Oui. Ah Katox il travaille sur la base PPR, pas de stress. Est-ce qu'on repart? Vous n'avez pas idée de la quantité de zombies que j'ai défoncé. Je pense avoir une idée. On a idée de ce qu'on t'a laissé, ouais. Là, je suis à. Le coffre est vide. Zombies tués, je suis à 317. Ah putain. Quand on sait que moi je suis à... je viens de renaître au début de la session, j'en suis à 175. Ça pique un peu. Moi, j'en suis à 49. Mais bon, moi je suis renais pas tout à fait au début 131. Alors, est-ce qu'on tourne chercher un générateur et puis bah le livre de cuisine qui manque malheureusement parce que sinon il est. Ouais, bah avant, quand j'aurai fini de. On va arrêter l'épisode par contre hein, là. Et ça me laisse finir de ranger comme ça, parfait. C'est déjà assez long. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, un petit j'aime. N'hésitez pas, je le dis pas assez, à aller voir le point de vue de Slan sur sa chaîne. Et on se dit du coup à très bientôt pour la suite. Merci à tous. Salut. Salut.